Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce match. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous football dans un stade qui a de nouveau fait le plein. Un petit point météo, il se pourrait qu'il pleuve pendant cette rencontre, ce qui pourrait être synonyme de ballon qui fuse et qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. On est parti pour 90 minutes. Debuchy. Cazerie. Cabaye. Cazerie. Coup de bouse. Saint-Étienne qui cherche l'ouverture. Voici Ouzou. Bien servi. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Voici Ouzou. C'est bien ce qu'ils font, cette manière de faire sortir des joueurs. Oui, il y a du mouvement, c'est intéressant pour étirer la défense adverse. C'est ça, ils essaient visiblement de créer des espaces dans l'axe. Voyons si ça marche. Mais il va être sanctionné. Voici Ouzou. Le ballon dans la profondeur. Centre détourné. C'est joué court à deux. Au ballon qui vole jusqu'au second poteau. Il y a du mouvement. C'est bien ce qu'il fait là. Ça passe. Sur l'aile gauche et il a du soutien. Il joue en profondeur. Il va avoir de l'espace. Il est en bonne position pour centrer. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Et voici que la pluie fait son apparition. Lustig. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Il relance côté droit. C'est joué long. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Saint-Étienne qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. Pas de but, 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Pas de surprise pendant la pause. Le tableau d'affichage indique toujours 0-0. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Bout de bouse. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Il va se faire secouer par son entraîneur là. Cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. Voici Ouzou. Cazerie.
pour De Poitre. Kolodziejczak qui est récompensé de son pressing. Non, il n'a pas joué le ballon là. Voici Ouzou. C'est bien donné. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. De Poitre. C'est une faute, l'arbitre intervient. Il s'en sort bien sur ce coup-là, mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Il va falloir qu'il se maîtrise un peu mieux parce qu'il... Le tir ! À côté ! Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Le gardien dégage, loin. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. La passe en profondeur pour Boudbouze. C'est joué long, attention. Super! Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Un but maintenant et la victoire leur tendrait les bras. Ce sera une remise en jeu. Un peu de coaching, c'est bien. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Le gros dégagement. Attention au danger. Dans la profondeur. Oh, c'est bien fait. Il est passé. Ça joue long. Oh, l'aspiration. Oh, c'est dedans. Enfin, enfin, le voilà. Alors, Darren, votre analyse sur ce but? L'appel était bon, le service était parfait et il a brillamment conclu cette action. Bravo. Et si ce but scellait le score, est-ce qu'on en restera là? C'est fini! Le match est terminé. Et la défaite 1-0. La moindre erreur se paye cash. C'est exactement ce qu'il s'est passé aujourd'hui. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match?